Bonjour, mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'analyse des produits au niveau de l'IS. On a six opérations, on va analyser successivement, puis on va rédiger la correction. Idem, on a vente de marchandises livrées 10 000. On a sur une partie du chiffre d'affaires de la société. Sur le plan fiscal, il est établi que l'exercice de l'attachement des créances est celui du coût duquel intervient la livraison de marchandises. Cela veut dire que cette vente est rattachée à l'exercice M du moment que la livraison se produit. La vente est déjà comptabilisée, donc fait partie de la base imposable. La vente est imposable dès la livraison. Idem, aucun redressement à opérer sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, ça veut dire rien à signaler. Ça, la vente est imposable, il y en a qui n'a la livraison. Mais la deuxième opération, la vente des produits finis non encore livrés, dans ce cas, le redressement à opérer sur le passage, c'est à déduire le montant car la vente n'est pas imposable. C'est une vente de produits qui ne doit pas être attachée au chiffre d'affaires de l'exercice, car la livraison ne s'est pas durant l'exercice. Et pour preuve, le fait générateur est toujours la livraison sur les ventes. Nisba, la vente de marchandises livrées mais non encore facturées. Aucun redressement à opérer sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, car la vente est imposable, car il est livré. Bénéfice dividende reçu, comme on a déjà indiqué dans les vidéos précédentes, ce sont des produits dits de participation reçue. Sur le plan fiscal, ce sont des produits financiers qui bénéficient d'un abattement de 35%. Les dividendes ne sont pas imposables car ils font fait une oxydation totale pour éviter la double imposition. Il faut déduire le montant d'IL. Bénéficiaires obtenus, il s'agit de réductions financières obtenues par la société avant la date d'échéance. Il y a de la définition de l'écran. Sur le plan fiscal, c'est un produit financier imposable. Rien à signaler. Bénéficiaires redevances pour brevets. Ils sont perçus par la société en compagnie de la construction de produits d'un brevet d'invention. C'est un produit accessoire fiscalement imposable. Aucun redressement à signaler. Voilà, on va liser le corrigé. Je fais ici de notre abréviation. BNA, premièrement, la vente est imposable dès la livraison. Il n'y a rien à signaler. La vente n'est pas imposable. BNA a dû n'est pas livrée. Il est vrai, n'est pas facturé et dans la vente est imposable. Les dividendes ne sont pas imposables pour éviter la double imposition. On a un abattement 100% d'euros à déduire. C'est un produit financier imposable, n'est-ce pas, l'escompte, ou c'est un produit fiscalement imposable pour redevance pour brevet. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance.